un homme là-haut chercher les œufs. Bonjour, Madame Blanchet. Comment t'appelles-tu? François. François comment? T'as bien un père? Une mère? C'est vous qui avez emménagé hier au soir? Les guerres causant. Quel âge as-tu? 2 ans. Par le raisonnement peut-être, mais par la taille, tu en fais bien 6. On m'appelle François Le Champy. Approche. Tu n'es guère couvert. Tu n'as pas froid? Je ne sais pas. Tu as la fièvre. Fallait pas vous déranger. C'est pas qu'il soit bien éveillé, mais il sait reconnaître son chemin. Il est très gentil. Autant que ça peut l'être quand ça vient de l'assistance. Mais enfin, celui-là, j'ai pas trop à me plaindre. Il a la fièvre. Ben. C'est vous la meunière? Oui. On m'appelle la Zabelle. Si c'est pour le loyer que vous avez peur? Non. Je m'inquiétais pour cet enfant. Si vous ne le soignez pas bien, il mourra. On n'est pas riche, voyez-vous. Et c'est pas ce qu'ils nous donnent à l'hospice pour les garder. Avant, à Mers, j'avais 3 chèvres. Il a fallu vendre. Je vais tâcher de trouver une place dans le pays. Lui, il peut toujours garder les bêtes. Mais il n'est pas en état. Ces champis sont plus résistants qu'on croit. Et puis, il faut bien qu'il gagne sa nourriture. Écoutez, si ça n'est que ça, vous me l'enverrez tous les matins et tous les soirs, à l'heure où je donnerai la soupe à mon petit. J'en ferai trop, il mangera le reste. On n'y prendra pas garde. Je n'oserai jamais vous le conduire. Il paraît que le meunier n'est pas commode. Décidons une chose. Quand la soupe sera prête, je poserai ma quenouille sur la pierre de l'écluse. Alors vous enverrez l'enfant avec un sabot à la main comme pour chercher le feu. Je vous laisse, mon cher Edlaine. C'est ma mère qui est obligée de servir. À s'occuper du champi de ta nouvelle locataire. Une belle affaire que tu as fait là. Ah, et qui d'autre a voulu de cette maison dans l'état où elle est? Je m'arrangerai pour la faire payer, fais-moi confiance. Comme ça, t'as pas assez de ton enfant. Mon petit Janice, je suis là pour m'en occuper. L'autre,
Vous avez bien tort de vous inquiéter, ma fille. Ça pousse comme la mauvaise graine, ces champis. Roman de semence craint l'herbe du temps. Folle graine ne périt point. Une mine. T'es malade? Non. Si t'as pas la faire peur, on dirait que je te nourris pas. C'est pourtant pas faute de dépenser. Heureusement que ça profite à d'autres. Et peut-on savoir à qui? Au champi. Hier encore, il a emporté d'ici une demi-tour de pain. Et le manège ne date pas d'hier. C'est toi qui lui en as donné? Oui. Comme si l'année n'avait pas été assez mauvaise. Là qu'il faut nourrir les propres à rien, à présent. Isabelle paie son loyer. Parce que j'y veille. Vous, vous lui en feriez cadeau. François garde nos bêtes sans gage. François, il a un nom de chrétien maintenant. Enfin... Silence! Je trouve qu'on parle bien fort ici. Si je te reprends à dépenser mon bien, c'est pas la peine de faire la malheureuse, ça te rend pas plus belle. Laisse-nous. L'Isabelle, mon fils est un homme bon. Mais il a ses têtes. Et celle du champi ne lui revient guère. Il n'aime pas le voir jouer avec son fils. Ce n'est pas là sa place. Vous n'avez qu'à commander, madame. Il faut ramener le champi là où vous l'avez pris, à l'hospice. À 8 heures, la diligence passe à Corlay. À midi, vous serez à Châteauroux. Voilà une pistole pour le voyage. Je peux compter sur vous? Oui, madame. Croyez-moi, ça vaudra mieux pour tout le monde. Isabelle. On va prendre la diligence, mon François. Il le faut. Je ne veux pas, maman Isabelle. Je ne veux pas. Par ici, et surtout par la mère de votre mari. Elle veut que je raccompagne à l'hospice. Isabelle, vous auriez le cœur? Le cœur? À quoi il me servira le cœur quand on m'aura chassé d'ici et je serai sur la route à mendier mon pain? Je ne le permettrai pas, Isabelle. C'est pas vous la patronne, madame Blanchet. C'est ce qu'on verra. François, écoute-moi bien.
Tant que je serai vivante, personne ne te prendra mal, personne ne te chassera. Tu as confiance en moi? Oui, madame Blanchet. Rentre à la maison avec ta mère. Je viendrai t'apporter de la soupe ce soir.